Théo, c'est l'heure. Faut aller se laver. Eh oui. Virage à droite. Virage à droite. Virage à gauche. Virage à gauche. Il pleut, mais je suis glace. Ah mince, je trouve pas le bouton. Ah, je trouve pas le bouton. Ça va un peu? Non, c'est bon. Donc ça reste des épreuves sympathiques, on va dire. On n'est pas là pour gagner ou quoi que ce soit, on est là pour s'amuser. Donc, ça reste vraiment des épreuves sympathiques. Je crois que j'ai trouvé notre voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est pas la bonne. Oh dommage. Ah merde. C'est bon, elle souffle celle-ci. Allez! Je mets la ceinture. Oh là, ils se barrent tous, on est en retard, mon pote. Eh, bouge-toi, mec. Bah oui, je me dépêche enfin. Attends, ça marche comment? Putain! Ok. On n'est pas dans Attends. La merde. T'as filmé ça? Enfoiré. Ok. S'il te plaît? Ouais, t'inquiète. Allez! Montez les neveux. C'est parti! Oh là là, ce public est extraordinaire! Quelle aventure! Hein? Attends, j'ai calé encore! Qu'est-ce qui se passe? J'ai calé! J'arrête pas de caler, bordel! Je vais jamais arriver! Maxime, tes premières impressions? Franchement, je conduis jamais, j'ai pas conduit depuis 8 ans, mais franchement, je me sens bien! Il fait beau! Et le paysage est magnifique! C'est parti! Première voilà, épreuve! Voilà, calé! On recommence. Première épreuve chronométrée, Maxime. Ok, chronométrée. Attends. Ok. Bien, Maxime. Va toucher le plot rouge. Ok. Le plot rouge. Attends. Ah, oh, j'ai calé, bordel. Maxime, on est toujours en train d'être chronométré. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais moi, j'arrive plus à démarrer. Ah ouais? Ça vient de repartir. Vas-y, envoie, go. Maxime, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, il y a des pneus partout sur la route, alors du coup, moi, je... J'ai pas vu celui-là. J'ai pas vu. Attends, je vais t'aider. Vas-y, Maxime, vas-y. Combien chrono? 17, on est bon? Combien? Oui. Bonjour, on vous avance un peu? Allez-vous. Alors, on vient de croiser Raphaël, qui est autostoppeur pianiste. Bonjour, Raphaël. Merci de m'avoir pris en autostop. Voilà, j'ai voyagé en autostop de Lisbonne. Lisbonne à voilà, de Lisbonne à Botsford, entre le Cap Nord et la frontière russe. Je suis monté l'hiver et donc j'ai fait connaître de grands compositeurs français à travers toute l'Europe. Trop cool. Tous les Raphaël, ils viennent jouer chez vous en échange d'hébergement. Ils peuvent vous faire découvrir des partitions super peu connues mais trop bien. L'adresse email, c'est juste là, c'est ça? Oui. Cool. Laisser Raphaël parce qu'on n'allait pas au même endroit et là leur gars vient de nous appeler parce qu'ils ont vu sur le tracker que on s'est planté de route, donc là on essaie de récupérer le temps. Allez, en mode sport. On a un petit souci, on vient de perdre le manche. J'ai plus de manche de vitesse. Ok, donc là voilà, je passe à la main. Oh là là. Je passe en manuel. Oh là là. Le copilote, il a un petit carnet avec toutes les directions à prendre comme ça, mais le top c'est quand même d'avoir une deux chevaux devant, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Bordel! Je crois qu'on rend fou tout le monde. Où l'embrayage? Ça sent très très chaud dans la bagnole. Ah putain! J'arrête? L'embrayage il a. On a démarré la voiture donc Théo s'est mis. Parce que je gère pas trop le démarrage en côte. Attends-nous! C'est bon? Tu la tiens bien? Vous avez un petit souci? Non, je n'ouvre pas de votre gueule. Pourquoi vous ouvrez votre capot? Il y a un souci? Ouais, ça va. Ouais. Elles ont des petits soucis? Ouais, mais en plus c'est ma voiture, c'est ça le problème. Ah d'accord, merde. On a une épreuve, on doit trouver des petites balises à des endroits précis. Voilà, on a des petites indications. C'est pas easy, c'est pas trop facile. T'es sur une piste ou pas? Trop bien, ouais. Trouvé
La première balise, elle est là. Ok, je poissonne. Ok. Ah merde, ça marche pas. Midi, c'est la mi-course, tes impressions? C'est fatigant, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là là. Regarde en bas, regarde en bas, regarde en bas. On commence à avoir un petit chemin compliqué, Théo, ça se passe bien? Tourne pas trop à gauche, hein. Ça va derrière? Oh putain, oh putain. Il commence à pleuvoir. Vas-y, roule. Champ de coquelicot. Beau paysage. Beau virage. Prends le virage, prends le virage, prends le virage. Oh oui, ça queen. Nous rentrons dans le fort Vauban. Waouh, c'est beau, dis donc. Avis, un rapide petit point, Maxime, tu es en tête? Bah, il y a personne devant, il y en a plein derrière, donc soit on est trop rapide, soit on est trop lent. Tu veux voir quelque chose de beau, Maxime? Ouais. Non, bah, vas-y, continue, je vais te montrer. Oh mon dieu, c'est beau. Je vais faire une petite épreuve à l'aveugle. Ok. Voilà pour le permis déjà. Merci. Donc, le pilote, il va avoir les yeux noirs. Ok. Le copilote, elle est guidée. Ouais. Avance doucement, doucement, ouais. C'est bien, c'est bien ce que tu fais là. Ouais. C'est bien, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, stop, stop, vas-y. Ah ouais. Voilà, fin de l'épreuve, on s'est gavé. C'est où la manger maintenant? Ah ouais, c'est parti pour la grêle. Mais c'est l'heure de manger. Ah, ça c'est mieux. Ah. Pour le checkpoint 2, on est remonté à Champsella et tout. Ah. Ah, de retour sur la route, le temps commence à se couvrir, la fatigue commence à se faire sentir, mais on va tenir le coup. Alors je sais pas si c'est normal, mais depuis qu'il pleut, on commence à avoir des petites gouttelettes. Ça commence à fuir dans la voiture. On prend l'eau. Voilà. C'est un peu Jurassic Park là. Tout le monde s'est arrêté. Apparemment, il y a un petit pépin. On va aller découvrir ça tout de suite. Sous la pluie. Ça va toi? Ça va, ça va. Un peu. Bon, j'ai la réponse, Théo. En fait, c'est beaucoup trop en pente. Ouais. Et du coup, il faut qu'ils prennent de l'élan, les mecs, là. Et ils patinent en plus. On est dans la gadoue! Ça patine ou pas? J'en peux plus, je transpire, là. Roule sur les petits cailloux! Maxime, comment ça se passe là? Alors écoute, il n'y a personne devant nous, il n'y a personne derrière nous. On est sur une route bizarre, je ne sais pas si c'est la bonne. On saura ça tout à l'heure. Petite pause. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon bah, ouais. On attend que ça passe. Hein. Allez, on y va. Merci. Bah avec alors, eux ou pas? Je sais pas, il y a monsieur là-bas encore. Je sais pas si ça se voit bien comme ça, mais il neige. Voilà. On est le combien, Théo? 18 juin. 18 juin? Eh ben dis donc, faut faire un vœu. On arrive à un stade un peu critique de cette de ce rallye. On voit que dalle, il neige, il pleut, et je sais pas où on va. Oh là là, il y a des voitures en face. Oh là 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 là, c'est la patinoire. On est enfin arrivé. J'ai perdu Théo. J'ai trouvé une pilote. On va aller boire des verres. Non. Allez, c'est parti. 18 juin, 18 juin, sous la pluie. 18 juin, on s'éclate sous la pluie. Personne dehors. Tour de direction. Nom de lieu. Pour prendre les yeux. Bon, Théo, t'as loupé le briefing? Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est le week-end de la transhumance. On va faire attention. On va peut-être croiser des chevaux et aussi des moutons. Parfait, on y va. Allez. Aujourd'hui, on va faire peu de contenu, mais il faut qu'on mette de la qualité, quoi. Sinon, on va lasser les gens. Oui, mais tant que les gens, c'est des chaussures, on peut les lasser. C'est tellement cool! Vous avez gagné le premier prix de la décoration. Hein. Bravo! On va tout péter aujourd'hui. On est fou comme des malades. Ah, Théo, 8ème épreuve.
8ème épreuve. Allez, fonce mon pote. Attention. Ah ouais. Oui. Oui. Et Théo, c'est peut-être la fin du rallye pour nous. Ouais, en tant qu'asthme. On va savoir tout de suite. Oh là 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 là, l'angoisse. Oh, ça, ça double ça. Ça, ça bute tout. Je crois qu'on n'avance plus. Mais non, vas-y. Sérieux? Alors, on est tombé en panne et là, il y a plein de gens qui se sont arrêtés pour nous sauver. Je croise les doigts. Merci les gens. Merci beaucoup. Il y a les réparateurs qui sont venus. Oh, salut! De ma gueule. Alors aujourd'hui, je vois qu'on est... Waouh, ça va vite, on n'est pas les seuls à profiter du paysage. Il y a des gens en face qui ont le capot ouvert et qui sont en train de se faire réparer. Le capot vient de se fermer. Merci. Vous avez un petit diagnostic, monsieur le réparateur? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Il faut que j'attende ce qui arrive. Impeccable. On n'est pas dans la merde. Théo, tu sais comment on enlève une bougie? Alors ça sent très très bon, hein? Ouais, ouais, on est bien là. On est bien, il y a une voiture qui vient d'arriver avec une remorque. Donc je pense que on va bien s'en sortir, hein. Et pour les routards, toujours avoir une bonne scie sur soi pour péter la collerette, c'est ça? Tout à fait. On pète la collerette de la bougie. C'est bien profond, hein. On va avoir ça sur notre voiture. Ça va être un avion. Oh, magnifique. Impeccable. On est reparti! Merci les gars! Pas tout de suite. C'est bon? On vous avait promis de tout casser. On l'a pas tout cassé. Et maintenant on est reparti, on a mis les watts avec la nouvelle bobine. Et c'est parti dans la neige! Ouais, tu sais qu'on a failli la faire en remorqueuse celle-ci. Regarde-moi comme c'est beau. Waouh! Magnifique. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, mec. Regarde, il y a des voitures là-bas, on va les rattraper. Hein. On arrive. On arrive, ouais. Comment tu fais pour rentrer dans ta voiture? Je te fais une demi. Montre-moi, fais gaffe, t'as 10 secondes, hein. Attention. dépêche-toi. Ouais, ouais. On n'a pas rattrapé notre retard. On a tué tout le monde, regarde, mec. Regarde, ils sont déjà derrière. Allez. Oh là là, on va trop vite, hein. On va trop vite. Allez, on est reparti. C'est bon, Maxime, t'as fait plein ou quoi? Attends deux secondes. Ah voilà, nickel. Impeccable. On peut y aller. On peut y aller. Allez. Après la forêt, après la montagne, il y a quoi? La mer. Ouais, bien terminé la course. À bientôt et merci.